Hello, hello les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne, ça y est on est parti, on va regarder qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine, donc du 17 au 23 juillet. J'espère que vous allez toutes et toutes bien. On est parti, cependant, petit aparté, pardon, je précise que cela reste une interprétation générale. Donc si le message vous parle, c'est que du bonheur, s'il ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et surtout d'avoir du discernement et d'une prise de recul par rapport à ce que je vais interpréter et ce que je vais vous lire, d'accord? Et éventuellement, si rien ne fonctionne, si aucun message ne résonne en vous, et bien écoutez, je vous invite à aller voir des confrères ou des consoeurs, peut-être que vous trouverez votre bonheur chez eux, ok? Allez, on est parti pour les Gémeaux. Qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux du 17 au 23 juillet inclus? Allez, s'il vous plaît. Hop! Oh, le roi de Pentacle, et celle-là, elle était tombée. Et le 3 de Pentacle. Oh, bah, vous êtes dans les déniers cette semaine. Oh, bah, magnifique. Vous êtes dans cette énergie de productivité, de récolte. Là, on sent qu'effectivement, pour certaines personnes, peut-être que cette semaine, vous êtes déjà, vous allez avoir des réponses en lien peut-être à quelque chose qui vous préoccupe ou qui va vous mettre en joie. On pourrait éventuellement parler avec ce 3 de Pentacle que peut-être que là, vous allez avoir des réponses ou du moins, vous allez avoir une collaboration qui va arriver à vous et qui va vous permettre d'atteindre un petit peu le sommet, tout simplement, ce que vous aviez envisagé ou du moins ce que vous aviez mis en place pour pouvoir y arriver. On sent peut-être que pour certaines personnes, il va y avoir une collaboration. Il va y avoir peut-être une des choses à défendre également ou peut-être des personnes à défendre. Pourquoi pas? On parle quand même quelque chose avec ce 3 de Pentacle des idées, de la créativité. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous êtes sur le point de vous lancer ou du moins de créer quelque chose avec quelqu'un par rapport à un projet qui vous tient à cœur, par exemple. On sent que avec ce roi de Pentacle, qu'il va falloir peut-être démontrer un petit peu vos capacités ou du moins démontrer un petit peu vos valeurs ou votre projet surtout. On sent que peut-être que c'est avec une personne qui a de la bouteille, qui a de la prestance, qui a aussi une certaine assurance et qui a peut-être des critères avant de valider peut-être votre projet. Hein, donc c'est peut-être en lien avec votre banquier là que vous êtes en train de voir les stratégies ou tout simplement que peut-être que pour certaines personnes, vous êtes dans cette forme de peut-être de, voilà, soit d'avoir à faire appel à des architectes ou du moins de créer quelque chose, peut-être votre maison ou tout simplement il y a des plans qui vont devoir être faits et qu'on vous dit qu'il va falloir peut-être d'avoir l'accord d'une personne qui a les ressources pour pouvoir valider votre projet. Ok? Allez, on est parti pour vous, les Gémeaux, voir qu'est-ce qui va se passer. Un message du 17 au 23 juillet pour les Gémeaux. Ok. Alors attention quand même, parce que peut-être qu'effectivement, il va falloir être vigilant, vigilante par rapport à ce projet ou du moins par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, hein, certains Gémeaux, parce qu'on vous dit de faire attention à certaines personnes qui seraient peut-être pas forcément très loyales vis-à-vis de ce que vous êtes en train de monter. Ok, donc je vous dirais peut-être de faire attention. D'accord ? Bah oui, il y a les amis qui ressortent. Donc effectivement, c'est pas anodin. Donc faites quand même attention peut-être à votre entourage. Parce qu'on parle quand même, il y a une somme d'argent. Donc ouais, pour moi, pour certaines personnes, est-ce que là, vous êtes vraiment dans un projet qui va prendre forme ou qui est déjà en train de prendre forme et qui va demander de la patience, de la négociation et éventuellement demander peut-être de l'aide de votre entourage. Mais attention à qui vous parlez. Ok, rapprochez-vous des personnes quand même de vraiment confiance. Hein. Ok, parce qu'on vous dit bien qu'effectivement, il va falloir faire attention. Ok, peut-être que quelqu'un va peut-être partir du projet ou du moins va mettre des bâtons dans les roues pour que justement votre projet n'aboutisse pas ou du moins la situation dans laquelle vous vous trouvez n'aboutisse pas. Il va y avoir comme cette forme de
Ouais, d'équilibre, de justice. Qu'il va falloir peut-être trancher sur certaines choses aussi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que vous avez pour projet peut-être de créer quelque chose, ou du moins d'un achat immobilier ou de faire des travaux, et qu'on vous dit attention, parce que peut-être que là, vous allez vous faire avoir par peut-être, des travaux éventuels qui vont peut-être mal se terminer, ou du moins qu'il va falloir revoir certaines choses par rapport aux travaux, ou qu'il y a des frais supplémentaires peut-être qui n'étaient pas prévus. On vous dit quand même que de rester vigilant et de rester dans cette forme d'observation par rapport à ce qui va se passer cette semaine. Ok, de ne pas non plus crier, vous énerver pour rien, rester quand même peut-être en retrait et examiner un petit peu ce qui va se passer pour vous cette semaine. Enceinte, soit c'est pour certaines personnes, vous allez avoir affaire à quelqu'un qui va vous la faire à l'envers parmi vos connaissances, parmi votre amitié, que du coup ça va vous mettre un petit peu les nerfs. Donc je vous dirais, ouais, bon, il y a la fin, il y a le retour. Ok. Et en 2-2 deck, on a quand même les larmes. Bon, on a quand même l'illusion, fausse idée, erreur. Donc, ouais. Moi, je dirais quand même pour certaines personnes, attention. Attention à qui vous parlez, attention avec votre entourage. Hein. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'effectivement, peut-être que si c'est un projet qui vous tient à cœur, qu'il va falloir un petit peu le défendre, qu'il va falloir un peu s'accrocher, parce que peut-être qu'il va falloir revoir certaines choses qui passent pas, tout simplement, par rapport aux banques, par rapport peut-être à des investisseurs, voilà, on y croit. Donc je vous dirais, voilà, restez vraiment un petit peu dans cette forme d'observation, exactement, hein, d'écouter, de voir un petit peu ce qui se passe autour de vous, parce que c'est vrai que cette semaine, pour moi, là, il va y avoir, ça va être positif, mais pour arriver à cette positivité, il va falloir revoir un truc. Quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas, qui va peut-être même vous mettre les nerfs. Et on parle d'un homme qui a une certaine maturité, qui a une certaine expérience également. Donc je vous dis, faites attention. Voilà. Faites attention. Restez. Ne vous énervez pas pour rien. Voilà, c'est juste ça. Ne vous énervez pas pour rien. Il y a un secret. Ouais, il y a. Ouais, c'est comme si vous alliez découvrir quelque chose. Et il y a un homme blanc. Ok. Peut-être que voilà, vous êtes sur le point, soit pour certaines personnes, de vous faire avoir par rapport à un bien ou par rapport à quelque chose. Voilà, restez quand même, parce qu'on voit quand même que ça va être un peu... Il va falloir passer par ce stade-là pour pouvoir que ça soit beaucoup plus fluide par la suite. D'accord ? Attention, je vous dirais vraiment attention. Ok ? Et on voit cette forme d'isolement. Ça vous préoccupe, hein. En tout cas, c'est quelque chose qui vous préoccupe. Mais cette préoccupation, pour moi, sera de courte durée, parce que vous aurez quand même... Voilà, le projet peut-être est peut-être en stand-by, ou du moins, cette activité est pour l'instant un petit peu en sous-marin. Mais avec le temps, vous allez voir que ça va bien se boutiquer. Et on voit tout de même que vous allez avoir cet espoir, cette victoire par rapport à cette situation, ou du moins par rapport à vos projets ou votre projet qui vous tient à cœur en ce moment. Ok ? C'est vraiment comme si on me disait, attention, attention, il va falloir aller doucement, il va falloir revoir certaines choses. Ok ? Allez, on est parti, on va aller voir, on va tirer juste deux cartes pour conclure ce tirage pour vous, les Gémeaux. Je ne veux deux cartes. La légitimité, ouais, vous aurez de toute façon victoire, ok, vous aurez satisfaction sur ce que vous êtes en train de mener ou l'action que vous êtes en train de faire, vous aurez, voilà, on vous voit planter le drapeau, c'est comme si je vous voyais poser votre pancarte pour quelqu'un qui veut acheter ou du moins qui a acheté quelque chose, un bien, on voit poser cette pancarte et vous dire ça y est, c'est bon, let's go, le projet va pouvoir, ou en tout cas la construction va pouvoir se commencer, va pouvoir vraiment être réalisé, ok. Allez, et on vous dit le sens du devoir. Ouais. Ok, 11 et 55. C'est pas anodin, ça non plus. Ok. Donc, pour moi, oui. Vous allez vraiment concrétiser cette chose qui vous tient à cœur. Cette collaboration. Cette création. Vous voyez bien en fonction de votre situation, mais on sent que de toute façon, voilà. Vous êtes un petit peu peut-être là actuellement dans cette forme d'emprisonnement. Vous ne savez pas par où commencer, ou du moins par où trouver justement cette réponse, ou du moins cette problématique, trouver des réponses à cette problématique, mais on vous dit que de toute façon, voilà, il y a la légitimité, il y a le drapeau, il est posé, donc
vous aurez en tout cas satisfaction sur le résultat final. Ok, mais quand même restez vigilant, vigilante par rapport à votre entourage, que quelqu'un ne vous la fasse pas à l'envers. Ok, je vais m'arrêter là pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée, une belle soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.